2018 marque la fin du septennat des grandes réalisations au Cameroun. Durant sa prestation de serment à la magistrature suprême en 2011, le président de la République s'était engagé à accélérer la relance de la croissance économique à travers le développement industriel, une révolution agricole et énergétique, en clair, transformer le Cameroun en un pays qui crée de la richesse et la redistribue de manière équitable à la fin de son quatrième mandat présidentiel sous l'ère du multipartisme. Paul Biya a-t-il réussi le pari de construire une croissance forte, durable et inclusive? Quel est le bilan économique du septennat des grandes réalisations? Ces questions constituent l'architecture des grands dossiers de l'économie. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission. Et pour établir un diagnostic sans complaisance de ce septennat des grandes réalisations, je reçois ici, sur ce plateau, Christian Penda-Ekoka, conseiller technique à la présidence de la République, un consultant international en économie de développement. Vous dirigez également un cabinet international spécialisé dans l'ingénierie financière et le développement des projets. Christian Penda-Ekoka, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Entre 2011 et 2018, les objectifs de relance de la croissance économique ont-ils été atteints au Cameroun? Oh, je crois que non, puisque, comme vous le dites vous-même, le chef de l'État a placé ce mandat sous le signe de l'accélération de la croissance. Une croissance vigoureuse et inclusive. Il va de soi que face aux résultats que nous observons aujourd'hui, s'il y a un premier insatisfait, ce serait d'abord le chef de l'État, puisqu'il sait qu'à ce niveau-là, n'est-ce pas, les populations elles-mêmes ne peuvent pas être satisfaites. Et ça, c'est le chiffre qui le dit. Justement, Donc, quels sont les indicateurs économiques qui permettent d'évaluer les effets d'une croissance économique sur le quotidien des populations? les indicateurs sont simples. Il y a des indicateurs macroéconomiques et des indicateurs sectoriels et microéconomiques. On va y arriver. Le premier indicateur macroéconomique, c'est le taux de croissance du PIB. Et ce taux de croissance est aujourd'hui de l'ordre de 4%. Et il est déclinant. Il est stagnant, il est déclinant. Et vous avez le deuxième indicateur qui est le revenu par habitant. Le revenu par habitant au Cameroun, n'est-ce pas, tourne autour de 1200 dollars et il est stagnant, voire déclinant. De l'autre côté, vous avez un indicateur majeur en termes de pauvreté qui montre qu'il y a plutôt une augmentation de la pauvreté, c'est-à-dire une paupérisation de l'économie, qui naturellement engendre des frustrations économiques et sociales qui elles-mêmes vont aller alimenter, n'est-ce pas, tous les problèmes d'insécurité qu'on peut voir. Et à ce Je vous sujet, donne. l'Institut national de la statistique a évoqué le nombre de pauvres qui a augmenté de 14% entre 2007 et 2014. Est-ce que ces chiffres vous parlent? Et je vais être beaucoup plus précis pour que ça parle plus, n'est-ce pas, aux téléspectateurs. Lorsque nous atteignons le point d'achèvement en 2006, vous avez 39% de la population qui vivent sous le seuil de l'extrême pauvreté. Je parle de l'extrême pauvreté, c'est-à-dire que vous avez 39% de la population camerounaise qui vit avec moins d'un dollar, c'est-à-dire moins de 500 francs CFA par jour, n'est-ce pas? Et ce qui représente moins de 15 000 francs par mois pour une personne. Et cet indicateur, 11 ans après, c'est-à-dire aujourd'hui, est de l'ordre de 38%, 37-38%. Ça veut dire que en 11 ans, à la suite du point d'achèvement, alors qu'on a annulé la dette du Cameroun, une bonne part de la dette du Cameroun, que le Cameroun aurait dû relancer l'économie de manière très forte, n'est-ce pas? Ça n'a pas été le cas, parce que vous avez pu réduire le taux de pauvreté, le taux d'extrême pauvreté, rien que de 2 points, 1 point à 2 points. Parce qu'à 37% d'une population camerounaise d'aujourd'hui, c'est-à-dire 11 ans après, d'une population qui a augmenté, le nombre de Camerounais vivant dans la zone d'extrême pauvreté a augmenté. Maintenant, si je prends de manière générale le nombre de Camerounais vivant, disons, dans la zone de pauvreté, alors dans la zone de pauvreté, ça ferait quoi? Ça ferait 2 dollars, c'est-à-dire 1 000 francs par habitant par jour. Quelqu'un qui vit avec 1 000 francs par jour, n'est-ce pas, ou moins de 1 000 francs par jour, ça veut dire 30 000 francs par mois. Ce chiffre-là,
serait pratiquement à doubler dans l'ordre de 60 à 65%. Donc vous voyez que même les Camerounais vivant dans la zone de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1000 francs par jour, c'est-à-dire moins de 30 000 francs par mois, ce nombre représente 60 à 65% de la population. Le président ne pourrait pas justement se satisfaire d'un tel chiffre. Parce que vous êtes en train de parler de 60 à 65% d'une population de l'ordre de 24 millions à 25 millions d'habitants. Et cette population qui se recrute en majorité dans les zones rurales, et l'INS a fait une cartographie de la pauvreté au Cameroun en évoquant les régions de l'extrême nord, du nord-ouest, également celles de l'Adamawa qui sont les plus touchées par la pauvreté. Les chiffres que je viens de vous donner, le chiffre que je viens d'indiquer quand je parle de 39% dans le taux, le seuil d'extrême pauvreté, et de 60 à 65% dans le taux, n'est-ce pas, de pauvreté, ce sont des chiffres qui indiquent des moyennes. Il va de soi que vous avez des secteurs où l'incidence de la pauvreté est beaucoup plus forte. Voilà. C'est-à-dire quand vous dites 39% de la population, extrême pauvreté, seuil d'extrême pauvreté, 65% de la population, taux de pauvreté, vous êtes en train de faire une moyenne. Il va de soi que ce chiffre, quand je parle de 39%, il devrait monter, à l'incidence à l'extrême nord devrait probablement être de 105%, 70% pour le taux d'extrême pauvreté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que ça veut dire. Et qu'il va probablement tourner à Douala et à Yaoundé autour de 10%, mais dans ces zones-là, il serait plus fort. Et dans les zones rurales, il serait de cet ordre-là. Donc, ça pose le challenge. Lorsque vous savez que pratiquement la moitié de la population camerounaise vit dans la zone rurale, dans les zones rurales, pour le dire, la moitié de la population camerounaise vit dans ces zones rurales, plus les populations qui vivent dans les villes, dans les zones d'extrême pauvreté, n'est-ce pas, ou dans, sous le seuil d'extrême pauvreté, ça représente, vous pouvez le voir tout de suite, 50% d'une population qui vit dans les zones rurales, plus les populations qui vivent dans le seuil d'extrême pauvreté en ville, ça va vous chercher une population de plus de 70%. Donc, voilà n'est-ce pas, la notion d'une croissance inclusive. C'est-à-dire que cette croissance ne profite qu'à une infime poignée de la population. Et vous pouvez en avoir l'explication, parce que pour que cette croissance profite à un plus grand nombre de Camerounais, il faudrait que ces Camerounais aussi participent à cette croissance, c'est-à-dire participent à la dynamique de création de richesses et donc puissent en profiter. N'est-ce pas? Des politiques qui consistent par exemple à faire des projets où quand vous lancez ces projets, les stades et d'autres types de projets, mais c'est les étrangers qui en profitent, justement, ne peuvent pas être des projets inclusifs pour que les téléspectateurs comprennent bien la notion d'inclusivité. Justement, que si vous lancez au sujet de ces projets, de la politique économique, des grandes réalisations, je vous invite sur le plan des infrastructures énergétiques. Le chef de l'État a annoncé que les barrages de Lampangar, Mamvele, Mekine et d'autres seront une réalité 7 ans plus tard. Sont-ils opérationnels? Ont-ils résorber le déficit énergétique au Cameroun? La demande de l'énergie au Cameroun est de l'ordre de croît au rythme de 6 à 8% par an. Au moment où nous sommes en train de parler, les projets comme Mbélé auraient dû être, n'est-ce pas, mis en service il y a pratiquement 2 ans. Ils sont manifestement en retard. Le seul projet qui est relativement avancé, enfin complété, mais aujourd'hui, c'est le barrage qui est en train d'être rempli, c'est le barrage de Lampangar, mais qui n'est qu'un barrage de retenue, puisque ce n'est pas lui qui produit l'électricité. En fait, il avait pour objectif de pouvoir réguler le cours de la Sanaga, n'est-ce pas? Parce que vous savez que pendant la saison des pluies, le débit de l'eau était de l'ordre de 1300 à 1400 mètres cubes par seconde, ce qui permettait de turbiner, c'est-à-dire de faire tourner les turbines au niveau de son loulou et des DA, et de produire l'électricité. Lorsqu'on arrive à la saison sèche, c'est ce que vous avez cette notion d'étiage, le débit baisse pratiquement en moins de 600 mètres cubes par seconde, et à ce moment-là, les turbines sont plus hautes que, n'est-ce pas, le niveau de l'eau, et on ne peut pas turbiner. C'est pour ça que le barrage de Lampangar a pour objectif, n'est-ce pas, de réguler le barrage et de ramener à temps plein, de manière régulière, le flux, le débit de l'eau, alors de l'ordre de 800 mètres cubes par seconde pour pouvoir turbiner. Mais ce qu'il y a, c'est que lorsque cela est fait, en aval de ce projet de Lampangar, on aurait dû avoir des projets industriels et miniers qui se fassent. Et l'une des meilleures illustrations de ce qui est arrivé, c'est le projet de Rio Tinto Alcan. Ils avaient comme projet de faire le barrage de Nactigal, 300 à 400 mètres mégawatts, et que ce barrage de Nactigal puisse permettre le triplement de la production de l'usine d'aluminium à EDEA,
la faire passer de 100 000 tonnes à 300 000 tonnes. Ensuite, de construire une usine d'aluminium, je fais dans ce détail, pour que les téléspectateurs voient comment le travail est créé et comment les Camerounais pourraient participer à ce travail. Vous faites Nactigal, vous triplez l'usine d'EDA, donc vous créez encore de l'emploi, vous créez plus d'emplois, vous exportez, c'est une production industrielle qui s'exporte. Mais vous envisagez également à Rio Tinto Alcan de faire 1 million de tonnes d'aluminium. Faire 1 million de tonnes d'aluminium nécessiterait 3 millions de tonnes d'alumine qui ferait travailler les mines de bauxite, n'est-ce pas? Vous voyez la chaîne qui crée du travail, qui crée de la valeur ajoutée, qui fait une remontée de chaîne de valeur. Ensuite, pour faire l'aluminium étant énergétivore, parce que pour faire une tonne d'aluminium, il faut pratiquement 13 mégawattheures d'électricité. Donc, il fallait construire en marge de ça 1100 mégawatts de barrages hydroélectriques à Sombengue et un autre 1100 mégawatts dans ce qu'on appelle Gangodi. Alors, le géant minier qui était responsable de tout ce projet est parti du Cameroun. C'est ça le problème de l'insécurité juridique au Cameroun. C'est ça qui est le grand danger. Aujourd'hui, si vous regardez tous les rapports qui concernent, n'est-ce pas, les investissements au plan mondial, ce n'est pas des rapports qui sont faits par des gens neutres, qui regardent, n'est-ce pas, l'ensemble des pays où fait bon de faire des affaires, vous allez voir que le facteur qui ressort comme le premier obstacle de l'investissement au Cameroun, c'est l'insécurité judiciaire, l'insécurité juridique. Comment elle se manifeste pour les investisseurs, pour les hommes d'affaires? L'insécurité juridique se manifeste de manière très pratique. Un peu comme vous, Cédric, quand vous iriez chercher un titre foncier quelque part, on vous fait tourner en rond pendant, n'est-ce pas, des mois et des mois, voire des années. On vous fait, pour obtenir le moindre agrément, on vous fait tourner en rond, on vous fait payer, c'est la corruption, ainsi de suite. Et à la fin, on a ce qu'on appelle le coût de transaction, on a le niveau de risque qui est élevé, et vous commencez à percevoir le Cameroun comme un pays à très haut risque. Et vous n'y allez pas. C'est un peu comme si on vous disait que vous pouvez acheter un terrain en Guinée équatoriale ou au Gabon, mais qu'on vous dise que, mais en même temps, les problèmes de titre foncier dans ces pays-là ne sont pas sûrs. Vous pouvez obtenir un titre foncier, mais ne représente rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien ce qu'on vous dit ici à certains moments, que vous pouvez avoir obtenu un titre foncier sur ce terrain, mais vous n'êtes sûr de rien. Quand vous êtes dans un environnement incertain, où vous avez ce genre de problématique, vous avez des agréments, c'est écrit dans la loi que vous pouvez obtenir cet agrément-là en 2-3 jours, il suffit de payer tel montant d'argent, disons, on va dire, il suffit de payer 1 million de francs. Ok, vous le savez, c'est clair. Mais lorsque vous arrivez sur le terrain, vous vous rendez compte que c'est plus 1 million. Parce que à ce point de passage, on vous a demandé 500 000. À l'autre point de passage, on vous a demandé 300 000. Ensuite, à l'autre point de passage, on va demander 5 millions. En réalité, c'est écrit dans le formulaire qu'il faudra payer 1 million. Mais à la fin, vous vous rendez compte que vous avez payé 10 millions. Justement, et on il va de soi, dans beaucoup de ces... Je prends un exemple simple, mais il y a de nombreux investisseurs qui ont ce genre de tracasserie, ce genre de lenteur, qui vivent de cette espèce de corruption à des très hauts niveaux, à des niveaux où il s'agit de faire des investissements de l'ordre de centaines de millions de dollars. À la fin, ils s'en vont. Ils disent que ça, c'est un pays à risque, rien n'est sûr là-dedans, et ils se retirent. Et ça fait que ce auquel vous rêvez, n'est-ce pas, de pouvoir vous sortir, n'est-ce pas, de ce niveau pour être une économie émergente, vous ne pouvez pas. Parce que vous avez trois moteurs de la croissance. Vous avez la consommation intérieure, vous avez l'investissement et vous avez le commerce extérieur, mais notamment les exportations. Dites-moi, le moteur qui contribue pratiquement à plus de 80% au taux de croissance, c'est la consommation intérieure, dans le cas du Cameroun. C'est-à-dire, si vous avez 5 points de croissance, vous avez à peu près 80% qui viendrait de la consommation, c'est-à-dire sur 4 points qui viendraient de... 4 points qui viendraient de la consommation intérieure et 1 point qui viendrait des investissements. Mais vous pouvez faire plus, vous pouvez faire que les investissements donnent plus que cela. Dans le cas du Cameroun, qu'est-ce qui fait tourner la consommation? C'est vos salaires, si vous les recevez, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui, à un moment donné, fait booster, créer de la richesse et créer plus de moyens, n'est-ce pas, de payer des salaires? C'est quand on fait les investissements. Quand dans un pays... Justement, de ces investissements-là, je propose que l'on revienne sur le secteur énergétique. Il y a eu la mise en place de la Société nationale de transport d'électricité et l'ouverture à la concurrence pour la production de l'énergie électrique. Est-ce que ce sont des solutions efficaces par rapport à ce besoin énergétique qui se dessine au Cameroun pour pouvoir justement développer le secteur industriel? Disons, vous faites bien de mentionner ça, mais j'aimerais revenir sur cette question des investissements. Je n'oublie pas votre question. Vous savez, vous parlez des IDE, c'est-à-dire des investissements directs étrangers.
La Chine, pour soutenir des taux de croissance de 10%, de 12%, pendant plus de 20 ans, recevait chaque année, n'est-ce pas, 60 milliards de dollars d'investissement des étrangers. Ce sont ces 60 milliards d'investissement des étrangers, n'est-ce pas, qui permettaient à la Chine de créer de la richesse, dont une partie devenait impôt, allait, n'est-ce pas, à l'État. Ensuite, une partie devenait des salaires qui étaient payés aux gens. Ensuite, une partie était payée à ceux qui avaient investi, c'est-à-dire aux mutuelles d'investissement, ensuite aux investisseurs, ensuite aux fournisseurs qui travaillaient dans cette économie. Quand vous avez un système comme ça, où il y a une richesse qui est créée avec des investissements étrangers, une partie de cette richesse devient impôt, donc donnant à l'État les moyens de faire des infrastructures. Une partie devient salaire, donnant aux Chinois un pouvoir d'achat, donc de pouvoir nourrir l'autre moteur, c'est-à-dire la consommation. Vous achetez plus de bière, vous achetez plus de riz, vous achetez plus de ceci. Et ces entreprises-là qui fabriquent la pierre, qui fabriquent le riz tournent. Maintenant, vous payez également des fournisseurs locaux. Ces fournisseurs, à leur tour, il y a un effet multiplicateur parce qu'ils vont payer à leur tour ceux qui les emploient. Donc, vous avez qu'il y a un effet, une maximisation du contenu local, n'est-ce pas, de ce processus de création de richesses. Alors, quelle est la réalité quand au Cameroun? Vous n'avez pas... Mais la réalité au Cameroun, c'est que depuis 10 ans, une dizaine d'années, je ne sais pas si vous recevez... 10 millions de dollars d'investissement par an. Je dis 10 millions de dollars d'investissement par an. Il faudrait faire le calcul. C'est-à-dire, si vous regardez au cours de la dizaine d'années, je vous dis, les Chinois recevaient 60 milliards de dollars par an pendant plus de 20 ans pour booster leur économie. Aujourd'hui, c'est devenu, c'est grâce à ça que, justement, le fameux revenu par habitant des Chinois, qui était pratiquement au même niveau que le nôtre il y a une vingtaine d'années, est passé de 1 000 dollars par habitant à pratiquement 8 000 dollars aujourd'hui, où on dit que la Chine est en train de devenir également une économie riche qui elle-même se met à investir ailleurs. Mais nous, dispose de on était dans cette situation. De nombreuses opportunités. Pourquoi absolument. On stagne depuis de nombreuses années. Je viens de vous donner cette équation de l'investissement. Si la corruption qui a été indexée comme un mal fondamental de l'économie du Cameroun et l'impunité face à la corruption, je crains qu'on ne reste dans cette situation pendant très longtemps. Et le chef de l'État n'en a pas parlé dans son dernier discours. Ça m'a un peu... Parce qu'il a toujours pris l'habitude de parler de cette question qui est fondamentale. C'est une question fondamentale dans tous les pays du monde. Si la corruption devient rampante, et si l'impunité, c'est ça le système judiciaire, et si l'impunité continue, n'est-ce pas, à gangréner la corruption et l'impunité continuent à gangréner la structure économique et sociale du Cameroun, je crains qu'on ne soit en mesure d'attirer les investisseurs. Je voudrais vous faire commenter justement le dernier rapport de la CONAC sur l'état de la corruption au Cameroun. La CONAC qui estime que les champions de la corruption se recrutent dans les secteurs de la douane, des trésoreries générales au Cameroun, avec près de 1 300 milliards de francs CFA de pertes liées à la corruption. Comment expliquer ces chiffres qui sont chaque fois exponentiels, malgré le fait qu'il y a un tribunal criminel spécial qui a été mis en place, malgré le fait qu'il existe une agence nationale d'investigation financière et une chambre des comptes qui scrute les différentes sorties des gestionnaires et le contrôle supérieur de l'État. Comment expliquer que la corruption continue de gangréner les finances publiques au Cameroun? Mais la corruption va continuer de gangréner le Cameroun aussi longtemps que les gens corrompus seront manifestement visibles par le public et qu'ils seront impunis. Puisque en réalité, vous allez lancer des signaux très négatifs à la population. Ça voudra simplement dire que quelqu'un peut s'enrichir. Et s'enrichir au Cameroun, c'est très facile, s'enrichir de manière illicite. Hein. On se rend bien compte que Cédric Moufélé, voici son salaire, tout le monde le connaît. Mais du jour au lendemain, il est en train d'habiter un château. Il est en train d'habiter un château, que ce soit le fonctionnaire qui a 300 000 francs ou 500 000 francs par mois. Vous envoyez de très mauvais signaux. La culture camerounaise, l'environnement camerounais envoie de très mauvais signaux à ceux qui travaillent. En fait, l'environnement camerounais envoie des signaux, n'est-ce pas, des signaux qu'il ne faut pas travailler, qu'il faut plutôt voler. Puisque les voleurs sont visibles, ils restent impunis. Mais il y a le TCS facile. Qui a été mis en place pour pouvoir régler avant le ce TCS, problème. Avant le TCS, il ne faut pas qu'on oublie l'autre question d'énergie, mais avant le TCS, je vous rappelle qu'il y a un article 106 qui dit quand un officiel occupe un poste public, il faut qu'il puisse donner l'état de sa richesse. Pourquoi cet article n'est pas mis en place jusqu'à présent? Puisque si vous ne le faites pas, si
les autorités politiques, si le chef de l'État ne fait pas mettre en place, n'est-ce pas, cet article, mais c'est une espèce de blanc-seing. Puisque vous voyez bien des gens qui construisent des maisons, des immeubles en ville, ces immeubles restent vides. Ils restent vides pourquoi? Parce que les gens n'ont pas de pouvoir d'achat. C'est-à-dire vous avez des gens qui construisent des immeubles, de grands immeubles, des appartements qui sont loués à 500 000 francs, mais ces immeubles sont vides. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, les gens détournent de l'argent, mais comme ils ne peuvent pas aller déposer cet argent à la banque, parce que la banque va demander quelle est la source de ces fonds, ils ne peuvent pas non plus sortir avec le CFA, puisque le CFA n'est pas convertible. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font du money laundering, c'est-à-dire c'est du blanchiment d'argent qui va simplement dans la construction des immeubles. Mais en même temps, ça ne produit rien parce que les gens n'ayant pas le pouvoir d'achat ne peuvent pas y aller. Mais ces gens qui construisent ça, c'est un phénomène visible. Il faut l'arrêter parce que vous seriez en train de donner un très mauvais signal aux gens si tous les gens qui sont en train de travailler pour cette émission, c'est-à-dire que les gens qui sont derrière les caméras et tout, apprenaient qu'il y a un endroit à Yaoundé ou à Douala où on peut ramasser de l'argent sans travailler, ils ne seraient pas ici avec nous. Ils seraient en train d'aller à cet endroit-là parce que c'est trop facile, on jongle comme ça, on ment, on vole, on prend l'argent, on s'enrichit, sans risque d'être arrêté et d'être traduit en justice. Ça, c'est un très mauvais signal. C'est pour ça que j'insiste sur cette question de la corruption. Le chef de l'État lui-même avait dit que ces criminels à col blanc rentrent en gorge. Et mais, il a et mis il faut sur pied justement ce tribunal criminel spécial. Est-ce qu'il a réussi à répondre à ses préoccupations? Parce que une chose est d'arrêter ces Camerounais soupçonnés de détournement de fonds, une autre est de pouvoir entrer en disposition de ces fonds qui ont été qui sont soupçonnés d'avoir été détournés. Est-ce que le bilan est satisfaisant? Le bilan n'est pas satisfaisant. Et je vais vous dire une chose. Cette insécurité judiciaire qui est dû à des dévoiements du système judiciaire, mais je vais expliquer pour dire pourquoi il est important de mettre le système judiciaire à l'abri et de le renforcer. Parce que c'est aujourd'hui une menace non seulement à l'état de droit qu'il a essayé patiemment pendant des années de construire, mais c'est également une menace à l'état tout court. Donc, quand vous laissez, n'est-ce pas, perdurer cette gangrène de la corruption, vous la laissez perdurer, que vous laissez des gens qui sont passibles de punition, vous les laissez impunis, vous envoyez encore une fois un très mauvais signal à votre économie, à vos jeunes gens, aux acteurs, parce que c'est en réalité l'imposture, le vol, le pillage qui s'installe et non plus le travail. Or, la richesse est la contrepartie d'un travail. Quand vous êtes en train de dire aux gens vous n'avez pas besoin de travailler pour vous enrichir, cette richesse est factice. Elle ne vous mène nulle part. Et ce sont ces résultats qu'on est en train d'obtenir aujourd'hui. Et vous allez bien comprendre que moi, ma recommandation à ce sujet, c'est quoi? C'est de renforcer, n'est-ce pas, l'administration judiciaire. De mettre les magistrats à l'abri, que ce soit au niveau de leurs infrastructures de travail, n'est-ce pas, que ce soit au niveau des moyens technologiques, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent travailler et être à l'abri du besoin, parce que c'est un secteur essentiel, n'est-ce pas, pour assurer, renforcer la sécurité judiciaire. Si vous ne les mettez pas à l'abri, les magistrats, les juges deviendront les otages de ces gangsters à col blanc. N'est-ce pas, qui vont estimer qu'ils sont au-dessus de la loi, qui ne vont pas suivre les décisions de justice et qui seront en train de devenir une menace, n'est-ce pas, à l'état de droit, et vous n'aurez plus d'investisseurs au Cameroun et vous aurez les résultats que vous avez là. Le Cameroun entrera dans l'impasse. On n'atteindra jamais le seuil de l'émergence. Et parmi les secteurs clés de cette émergence, il y a le secteur énergétique. Et le président de la République a créé la Sonatrel il y a quelques mois. Également, on a annoncé l'ouverture à la concurrence de la production de l'énergie électrique. Sont-elles des solutions efficaces pour permettre au Cameroun
véritablement de pouvoir disposer d'une énergie capable d'industrialiser, de contribuer à l'industrialisation du Cameroun. Je vais ici, Cédric, toucher à un autre aspect d'une chose importante. Si vous faites attention, ce n'est pas la première fois que le chef de l'État a annoncé cela comme objectif. Si, revenez sur ce discours du septennat, c'est-à-dire début de la campagne. L'énergie, la pollution énergétique est un des grands thèmes. La stratégie qui est mise en place dès ce moment-là, c'est-à-dire que la SONEL est mise en concession au niveau de la Sirocco, on dit déjà qu'il faut créer pratiquement 5 à 7 ans après cette concession, il faut créer une société de transport électrique. Parce qu'on voyait bien que c'était une priorité. La chose que je suis en train de souligner maintenant, c'est l'insuffisance de pilotage de l'action gouvernementale et du suivi de ces concessions. Puisque la réalité, c'est quoi? C'est que si vous aviez suivi, si le gouvernement avait suivi, n'est-ce pas, la mise en place de cette concession, ce n'est pas maintenant que vous parliez, n'est-ce pas, qu'on serait en train de parler de la Sonatrel, c'est-à-dire la société transport. C'était une priorité et on a inversé la priorité. Ce qui était prioritaire ne l'est plus devenu. On s'est mis à s'apesantir, n'est-ce pas, sur la construction des barrages comme un vélé pour faire 15 MW, ce qui ne représente rien et a des coûts absolument exorbitants. Vous voyez ce que je veux dire? Or, vous allez vous rendre compte que toutes les pannes que vous avez, par exemple, dans la ville de Douala, n'est-ce pas, tous les délestages que je vois ici régulièrement et à Yaoundé, c'est des délestages qui concernent, n'est-ce pas, le système du transport, de l'énergie. Parce que ça concerne souvent des transformateurs qui pètent ou des câbles qui tombent, enfin qui pètent également, parce que c'est un système de transport qui est devenu très vétuste. Et on le sait depuis des années. Ça aurait dû être la priorité au moment où AES Sonel, n'est-ce pas, prenait cette concession. Pourquoi? Parce que ce qui nous a amené à recommander la concession au secteur privé de la gestion de la Sonel, au moment où le président actuel du Sénat en était le directeur général, n'est-ce pas? Ce qui est vrai, c'est que la SONEL était dans une situation financière absolument désastreuse. Elle ne pouvait plus payer, n'est-ce pas, sa maintenance, elle ne pouvait pas payer ses salaires, donc elle ne pouvait pas continuer à faire des extensions. On a dit que la solution devrait être d'aller chercher un privé qui va avoir plus de facilité pour aller sur les marchés Est-ce financiers. Est-ce que cette privatisation a permis l'objectif final, celui d'améliorer le quotidien des populations, de permettre d'avoir accès Vous voyez que j'ai parlé des délestages que vous continuez à voir aujourd'hui, que ce soit à Douala ou que ce soit à Yaoundé. Donc manifestement, c'est ce que je suis en train de vous dire. En l'an 2000, on avait des délestages tout le temps. Vous savez, comme ce qu'on voit encore maintenant. Pourquoi? En l'an 2000, le taux de perte, c'est-à-dire que du réseau, était de l'ordre de 30%. C'est-à-dire de l'ordre de 30 à 35% qui cumule à la fois le taux de perte commerciale et le taux de perte technique, c'est-à-dire perte d'effet joule, c'est-à-dire chauffage, n'est-ce pas, du réseau de transport par effet joule. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes encore dans cet ordre du taux de perte. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui devait améliorer et réduire le taux de perte, parce que si vous réduisez le taux de perte de 35% à pratiquement 10 à 15%, c'est comme si vous étiez en train de construire une nouvelle centrale thermique. Pourquoi on se retrouve encore à ce genre de taux? Ça veut dire que ce qui aurait dû être prioritaire, ce n'est pas de construire d'autres barrages. Ce qui aurait dû être prioritaire, c'est d'assainir, c'est de réhabiliter le réseau de transport. Dès le début, ceci aurait dû se faire il y a pratiquement une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, de réhabiliter le réseau de transport et de temps. Et là, vous voyez bien que nous ne sommes plus à des problèmes, nous sommes à des problèmes de planification, de pilotage de l'action gouvernementale, de coordination de l'action gouvernementale. Comment vous pouvez imaginer que le réseau de transport soit un réseau prioritaire et qu'on trouve à côté la construction d'un barrage comme Mekin, qui va vous prendre au moins 100 milliards de francs CFA? Comment vous pouvez m'expliquer ça? Vous voyez une action qui n'est pas une action financière, mais qui est simplement une action de pilotage et de gouvernement, c'est-à-dire une action de gouverner. Où est la priorité? Où sont les priorités? Qu'est-ce qu'on fait? Je vous dis que la priorité, c'était de réhabiliter et de renforcer le réseau de transport. Vous allez faire des barrages qui ne sont pas prioritaires. Qu'est-ce qui peut l'expliquer sinon le désir des gens de créer des projets et que ces projets deviennent des sources de détournement de fonds? Et dans le cadre d'un gouvernement qui doit suivre ce genre de travaux. Où est-ce que vous voulez dire? Le secteur de l'énergie,
électrique, il y a le difficile accès à l'eau potable. Pourquoi les projets d'amélioration de la production en eau n'ont pas marché au Cameroun? Le gouvernement et le président de la République avaient annoncé durant ce septennat des grandes réalisations la création de deux entités pour la production en eau potable et également la distribution de l'eau. Comment expliquer l'échec de ce service d'affermage de l'eau potable au Cameroun? Non, si vous regardez en termes de taux, ça ne l'a pas amélioré, parce que si vous regardez le nombre de Camerounais qui ont pu accéder à l'eau potable, puisque la population augmente, vous voyez que ça ne l'a pas été. Mais là encore, je reviens à quelque chose de systématique sur lequel j'insiste. Cet objectif, n'est-ce pas, d'améliorer le taux d'accès à l'eau potable des Camerounais ne se fait pas par décret. L'objectif est un objectif. Mais il vous faut créer un cadre institutionnel qui vous permette d'atteindre cet objectif. Et je disais quelque part lors d'une émission que, bien sûr que quand vous regardez le renouveau, son contenu est absolument louable, puisque c'est l'homme qui est placé au centre du renouveau. Mais ensuite, si vous avez un cadre institutionnel hyper centralisé, comme celui qu'on a dans le cadre de l'architecture de l'État, vous ne pouvez pas le faire. Vous voyez, je vais expliquer quelque chose. Je vais expliquer quelque chose d'important, c'est quoi? C'est que vous voyez, quelqu'un qui est à Bafoussam ou qui est à Bamenda, ou qui est à Guider, ou à Maroua, ou à Bertois, ou à Douala d'ailleurs, qui devrait dépendre pour accéder à l'eau potable de quelqu'un qui serait assis à Yaoundé. Vous voyez, c'est quelque chose d'absolument incongru. Parce que celui qui est à Bamenda, à Bafoussam, il y a des cours d'eau à Bafoussam. Si vous lui donnez le pouvoir de pouvoir gérer cette question de l'eau, vous allez vous rendre compte qu'il va résoudre ce problème. Mais le gouvernement a créé deux entités pour pouvoir pallier ce problème. Une structure qui s'occupe de la distribution de l'eau et une autre qui doit assurer la production, la maintenance des infrastructures. La structure qui Est-ce que la stratégie n'était pas efficace pour... Non, c'est ce que je viens de dire. La structure qui doit s'occuper de la distribution de l'eau doit s'occuper de la distribution de l'eau sur toute l'étendue du territoire camerounais. Je dis bien sur toute l'étendue du territoire camerounais. C'est-à-dire que cette structure, la CDE, doit amener de l'eau aussi bien à la personne qui est à Mokolo, à Maroua, que la personne qui est à Douala. Les problématiques hydrauliques sont très différentes à ces endroits-là. Et on parlait, j'aurais plus vu, n'est-ce pas, plusieurs périmètres de concession, c'est-à-dire une division, un zonage du territoire camerounais qui créerait plusieurs périmètres de concession. Et à l'intérieur de ces périmètres-là, il y aurait concurrence. On donnerait des concessions peut-être à une personne, peut-être à deux personnes, mais dans un cadre concurrentiel. Vous voyez déjà qu'en accordant à un seul concessionnaire le droit d'apporter de l'eau à tous les Camerounais dans tout l'étendue du territoire camerounais, c'est de ça, de cette stratégie que je parle. Elle ne tient pas la route. Elle ne peut pas tenir la route. Vous envoyez les résultats. Donc, le président de la République qui demande qu'on clôture ce contrat d'affermage et que Kamwata reprenne la main sur la distribution de l'eau. L'entreprise publique qui a connu de nombreux dysfonctionnements durant les dernières années peut-elle encore gérer toute seule le service public de l'eau? Là, vous allez combiner deux défaillances. Vous allez combiner la première défaillance, qui est celle de ne plus concéder la distribution de l'eau, le monopole de la distribution de l'eau à une seule société. Première défaillance, ça ne donnera pas. Ensuite, vous allez combiner la deuxième défaillance, qui serait de donner ça à une entreprise publique, avec les défaillances qui sont les tares et les limites qui sont associées aux entreprises publiques, en termes d'objectifs qu'on leur fixe et en termes de contrôle. Donc, je vous dis tout de suite que si c'est ça la solution, elle ne donnera pas. Parce que vous serez en train de combiner deux défaillances structurelles. La première, de recréer un monopole et de confier à ce monopole la distribution de l'eau sur toute l'étendue du territoire, ce qui s'est passé dans le cas ancien qui nous a conduit aux concessions. On a constaté les défaillances. Deux, vous seriez en train de revenir dans le cas ancien qui nous a conduit justement, n'est-ce pas, aux concessions, d'avoir une entreprise publique qui se charge de ça, avec toutes les tares et les limites structurelles qui sont associées aux entreprises publiques en termes de nomination des dirigeants, de contrôle de ces dirigeants, de suivi de ces dirigeants qui sont d'État au Cameroun. Ça, c'est un autre sujet, on peut en débattre, mais je veux dire, là, si vous le faites de cette façon, vous serez en train de combiner deux défaillances et on ne va pas y arriver. Le septennat des grandes réalisations a également été placé sous le signe des infrastructures de transport. On regarde la construction du deuxième pont sur le Vouri, également la deuxième phase attendue de réalisation du port autonome de Kribi.
Ces projets répondent-ils aux enjeux économiques et industriels du Cameroun? Ce sont des projets qui auraient pu répondre aux enjeux s'ils avaient été mal conçus. Ben, je vous prends des, s'ils avaient été bien conçus, je vous prends le cas du port de Kribi. Encore une fois, je le dis assez souvent, le port de Kribi, la décision d'investir dans ce port est faite, est prise à partir d'une étude qui est réalisée en 2009 par le ministre de l'économie, celui qui est là actuellement, mais lors de son premier séjour. Si vous regardez le schéma portuaire national, cette étude en 2009 dit que en 2015, n'est-ce pas, le trafic portuaire du Cameroun, qui est de 9 millions de tonnes, n'est-ce pas, qui est de 9 millions de tonnes, va passer à 12 millions de tonnes, n'est-ce pas, non, je veux dire, va passer à 36 millions de tonnes, va passer de 9 millions de tonnes en 2009 à 36 millions de tonnes en 2015. 36 millions de tonnes. Et si vous regardez les chiffres, vous vous dites, mais attendez, si je projette sur 6 ans, c'est-à-dire de 2009 à 2015, si je fais une corrélation entre l'évolution du trafic portuaire camerounais à partir de 9 millions de tonnes et le taux de croissance de l'économie camerounaise qui est de 4%, n'est-ce pas, sur 6 ans, il ne vous mènera guère qu'à 10 millions de tonnes, 11 millions de tonnes en 2015. Vous vous posez la question, mais les 36 millions de tonnes proviennent d'où? Il y a une aberration statistique, comme disent les statisticiens. Ce que vous pouvez, quand vous regardez bien, vous dites ce qui justifie ça, c'est les projets miniers. Ceux que vous connaissez, Mbalam, 35 millions de tonnes, et Géovic, qui va faire du cobalt, la bauxite, l'aluminium, tous ces projets sont fermés. Donc, alors, en clair, vous estimez que les études de faisabilité, de mise en œuvre, de construction de ce port autonome de Kribi ont été faussées dès le départ? Je crois, oui. Pour moi, c'est plus que des études qui ont été mal faites, c'est des études dont les conclusions ont été forcées pour arriver à ces décisions. Moi, vous savez, aujourd'hui, j'ai un âge, je ne fais plus carrière. Je regarde, on fait ça pour vous, on fait ça pour les autres générations. Nous n'avons pas droit de laisser un tel héritage aux Camerounais. Les études sont faussées pour arriver à ce genre de décision. Et j'espère bien que... C'est pour ça que vous voyez ce port qui est terminé depuis... On nous dit qu'il est terminé depuis 3 ans, 4 ans, il n'est pas fonctionnel. Mais ce n'est pas la construction du port qui crée le trafic. J'espère que vous me comprenez là. Monsieur Noufélé, ce n'est pas la construction du port qui crée le trafic. C'est l'économie d'un pays qui crée le trafic. C'est ce que vous faites dans le gouvernement, c'est ce que vous faites dans la gouvernance de votre pays qui crée le trafic. Mais le gouvernement estime que c'est un port de nouvelle génération qui, par la position stratégique du Cameroun, va permettre aux différents opérateurs de la sous-région d'utiliser cette voie. Comprenez-moi bien, ce n'est pas le port de Kribi qui crée les 36 millions de tonnes de trafic. L'économie camerounaise aujourd'hui a une capacité de trafic qui est due à ce qu'elle est, à sa structure. Un dépassement aujourd'hui, le trafic portuaire ne dépasse pas 11-12 millions de tonnes. Vous n'allez pas créer 36 millions de tonnes ex nihilo. Le trafic ne va pas tomber du ciel. Le trafic correspond à une structuration. C'est un peu comme si vous me disiez que vous pouvez manger 10 pains par jour. Vous pouvez manger combien de pains par jour, maximum, au déjeuner le matin? On va dire quoi? Un pain. D'accord? Si à un moment donné, il vous faut acheter un camion pour vous livrer le pain chaque matin, mais vous allez dire que non, ce n'est pas le camion qu'il me faut. Moi, je ne mange qu'un pain le matin. Donc, quoi, même un Ben Sikine peut me livrer le pain. Mais si vous vous achetez un camion pour vous livrer le pain, pour vous livrer un pain le matin, ça veut dire que vous avez fait une espèce d'éléphant blanc pour vous livrer le pain. Maintenant, si ce Ben Sikine, si ce camion vous amène, je ne sais pas moi, votre consommation journalière de pain, on vous amène ça en un seul jour, c'est-à-dire 365 pains. On voulait livrer en un seul jour, qu'est-ce qu'il vous faudra à ce moment-là? Il vous faudra des capacités, n'est-ce pas, de stockage. Non seulement de stockage, mais le maintien de votre pain dans des conditions normales. L'économie camerounaise a un certain fonctionnement. Vous ne pouvez pas amener toute la matière première des brasseries du Cameroun, c'est-à-dire le malt et le houblon, vous les livrez ça en un seul jour. Parce que vous avez simplement dit que j'ai de gros bateaux qui sont capables de livrer aux brasseries du Cameroun toute leur consommation de malt et de houblon en un seul jour. Parce que les brasseries, elles vont vous dire, mais attendez, est-ce que moi j'ai les capacités de stocker toute ma consommation d'une journée, enfin d'une année, dans mes cuves? Parce que la structuration de cette économie ne permet que de faire
n'est-ce pas, 12 millions de tonnes par jour. Dès que vous dites, je vais concevoir, parce qu'il y a eu, ces idées-là en disant, oui, ensuite on pourrait avoir des bateaux de gros tonnage, 100 000 tonnes et ainsi de suite. Mais les bateaux de gros tonnage, quand vous allez avoir ces gros tonnages, c'est l'histoire du camion qui vous livre, n'est-ce pas, 300 pains le matin, et vous dites que non, mais moi je peux consommer 300 pains le matin. Il faut vous assurer que vous pouvez livrer ça à d'autres personnes. S'il amenait les 300 pains, non seulement pour vous, pour d'autres personnes, ça irait. Donc, ce n'est pas le port qui crée le trafic. Au moment où nous parlons, Abidjan, par exemple, la Côte d'Ivoire, on est à 12 millions de tonnes. La Côte d'Ivoire est à plus de 25 millions de tonnes. C'est-à-dire que la structuration de l'économie du Cameroun... Du port de Kribi, le gouvernement souhaite en faire un complexe industrialo-portuaire et installer d'autres structures dans cette station balnéaire qui vont accompagner justement... la mise en exploitation encore, du port de Kribi. Encore une fois, pour ne pas jouer avec les mots, il faut qu'on soit cohérent. Je viens de vous parler de l'insécurité juridique. Vous dites vous faire des stations balnéaires. Les gens se méfient de venir dans votre pays à cause des problèmes de corruption qui, en fait, affectent les décisions d'investissement, les coûts de transaction, ainsi de suite. Vous avez, déjà, soyons cohérents. Vous n'attirez pas les investisseurs à cause de l'insécurité juridique. Comprenez ce que je veux dire. Mais vous annoncez que vous avez fait les stations balnéaires. Ce n'est pas les investisseurs qui vont faire ces stations balnéaires. Et je viens de vous donner l'exemple de Rio Tinto Alcan, qui est parti avec un investissement de 10 milliards de dollars, c'est-à-dire 5 000 milliards de francs CFA. Vous ne faites pas la cohérence. Les gens annoncent, à la limite, vous avez aujourd'hui la capacité, avec les technologies de l'information, de faire de grandes images qui vous montrent les photos de Kribi, je ne sais pas moi, en l'an 2050. Mais pour le moment, nous sommes ici en l'an 2018. Et il faut voir comment ça se fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous sommes encore là. Comme disait Keynes, vous pouvez toujours annoncer aux Camerounais qu'en l'an 2035, voici comment sera le Cameroun. Mais comme disait Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Donc, vous pouvez toujours envoyer n'importe quelle image. Mais nous, le souci, c'est qu'on réponde aux besoins des Camerounais. Les besoins des Camerounais sont clairs. Boire de l'eau, n'est-ce pas? Boire de l'eau, manger, s'habiller, envoyer les enfants à l'école, se faire soigner et j'en passe. Et justement, n'est-ce pas? Vous avez également annoncé, n'est-ce pas, la construction de 10 000 logements. Vous avez annoncé? On en parlera. On reviendra sur ce sujet-là dans cette émission, mais justement, vous avez parlé des besoins des Camerounais. Christian Pendaïkoka, vous le savez, l'un des piliers du plan directeur d'industrialisation, c'est l'économie numérique. Il y a au moins 4 opérateurs des télécommunications qui sont installés au Cameroun et qui exploitent les différents services. Est-ce que la qualité d'accès à Internet, la connexion Internet, correspond aux besoins d'un pays qui veut développer l'économie numérique et à moindre coût? Je crois que non, parce que c'est la bande de passage. C'est la bande de passage qui déjà vous annonce que vous aurez une plus grande capacité. C'est ce qu'on appelle broadband. C'est la largeur de la bande de passage qui permet, en fait, qui calcule le nombre de bits par seconde qui passe à travers cette bande-là. Et vous voyez aujourd'hui que cette bande n'est pas suffisante. Et de l'autre côté, le taux de pénétration d'Internet même est relativement faible quand on compare ça à d'autres pays. Or, vous entendez des gens, par exemple, dans le cadre de 500 000 ordinateurs, on vous dit que oui, on a prévu une capacité de stockage périphérique de l'ordre de 1000 gigas dans le cloud. Mais le problème du cloud, c'est que vous avez fait, en fait, c'est Google qui vous offre une capacité de stockage externe, artificielle, qui vous permet à ce moment-là d'avoir comme un magasin virtuel. C'est-à-dire comme un magasin, vous voyez, quelqu'un aurait eu un grand magasin et vous allez dans cet espace, vous louez, n'est-ce pas, un espace pour stocker vos affaires. Sauf que dans ce magasin virtuel de Google, qui se trouve quelque part dans le monde, n'est-ce pas, où vous auriez loué un espace virtuel pour stocker vos données ou vos fichiers, pour l'atteindre, il faut que Internet marche. Si Internet ne marche pas, on peut vous faire ce cadeau-là. Mais comme Internet ne marche pas, vous ne pouvez pas l'utiliser. De l'autre côté, il devient très intéressant parce que nous parlions de sortir les zones rurales de la pauvreté. Or, Internet aurait été un grand moyen de sortir, n'est-ce pas, les populations rurales, même de viabiliser les zones rurales, de sédentariser les populations. Pourquoi? Parce que lorsque Internet marche, vous voyez bien que vous pouvez envoyer de l'argent à la grand-mère au village, à la mère au village, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, c'est déjà très bien. Ensuite, nous pouvons faire travailler les panneaux solaires au village, au lieu que ce soit simplement un système filaire d'électricité, nous faisons travailler les panneaux solaires, mais les panneaux solaires, eux aussi, auront besoin de courant. Ce courant-là qui fonctionnerait, si on fait Internet, ça voudrait dire que les enfants qui sont au village, s'il y a une espèce de télé-enseignement, s'il y a une espèce de télé-cinéma, s'il y a des matchs importants,
il ne se sentirait plus isolé du Cameroun. Il n'y aurait plus cette espèce de fracture sociale. Parce que le match de Manchester United, n'est-ce pas, qu'ils sont en train de regarder, qui les intéresse, contre Barça ou ainsi de suite, n'est-ce pas, ils pourraient le regarder en direct à partir du village. Dont les villages seraient également connectés, n'est-ce pas, à la ville. Et même vous auriez un autre mode d'urbanisation, qui ferait en sorte que vous voyez de plus en plus de gens partir des villes pour aller, dans les zones rurales. Mais ces zones ne seraient même plus rurales. Puisque vous parlez justement de ces zones rurales. Ce seraient des zones périphériques, mais qui seraient des zones urbaines périphériques. Justement, puisque vous parlez de ces zones rurales, Christian Penda et Koka, la révolution agricole était le cheval de bataille du chef de l'État dans son discours et son investiture en 2011. À la fin de son mandat, le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme. Environ 2,5 millions de Camerounais sont sous la menace d'une sévère famine. Comment expliquer cette insécurité alimentaire dans un pays qui a un énorme potentiel agricole? C'est justement pour ça, parce que chaque fois que le président dit, lance un objectif de dire je vais sécuriser le système alimentaire, assurer la sécurité alimentaire, les gens déforment dans la pratique cet objectif. Mais lancer la sécurité alimentaire ne voulait pas dire faire les tracteurs agricoles. Puisque vous savez bien, aller faire les tracteurs de Bolova, ensuite en inscrivant les tracteurs de Bolova dans une espèce d'agriculture de deuxième génération, et ensuite en l'insérant dans le beau discours du chef de l'État, mais ça n'a rien à voir. Parce que si vous regardez, il y a à peu près 2 millions à 3 millions de paysans qui vivent, de petits fermiers qui vivent d'agriculture et dont les lopins de terre ne dépassent pas, n'est-ce pas, un demi-hectare, voire un hectare. Mais lorsque vous avez un tracteur, il fait ça, je ne sais pas moi s'il fait 30 minutes pour défricher. Mais déjà, il faudrait que ce petit paysan achète ce tracteur. Lorsqu'il l'a acheté, il faudrait qu'il l'entretienne. Lorsqu'il l'a entretenu, il faudrait qu'il paye le carburant. Alors, vous lui avez donné le tracteur. À la limite, donnez, mais ils sont là, il faut qu'il l'achète. Il n'a pas les moyens de le faire. Si vous allez en Inde, vous allez voir la même solution, vous allez voir les mêmes paysans avec peu de moyens. Les Indiens ont trouvé des moyens beaucoup plus adaptés. Des espèces d'outils manuels, semi-manuels, semi-automatiques et tout ça, c'est comme pour couper le gazon. Vous pouvez couper le gazon avec des moyens semi-automatiques. Mais comment expliquer que ces projets soient en déphasage avec les besoins des... Simplement parce que ceux qui sont chargés de mettre en place, de mettre en œuvre les objectifs du chef de l'État, n'est-ce pas, dévoient, n'est-ce pas, détournent ces objectifs, n'est-ce pas, détournent les objectifs de leur processus. Et moi, ce que vous me posez comme question est très... Cette question est très pertinente. Pourquoi? Parce que j'ai même écrit quelque part que chaque fois, on a l'impression que les bureaucrates se rebellent contre les orientations de, n'est-ce pas, du politique. Vous avez l'impression que chaque fois, les bureaucrates, n'est-ce pas, se rebellent, y compris les ministres, se rebellent contre les orientations, n'est-ce pas, politiques. Mais il y a une politique agro-industrielle qui est en cours depuis quelques années pour permettre justement de passer à une phase de transformation des produits agricoles au Cameroun. Qu'en pensez-vous de cette, stratégie? Est-ce que vous pensez que si vous avez un espace, par exemple, vous avez 500 mètres carrés de ferme, n'est-ce pas, vous avez 500 mètres carrés de ferme, un petit fermier, hein, je vous donne un exemple, 500 mètres carrés, c'est deux bâtiments de 25 fois 10 de 250 mètres carrés. Ce petit fermier peut y faire, n'est-ce pas, s'il veut faire du poulet de chair, il peut faire chaque fois 5000 poulets de chair. 5500 avec des taux de perte, il aurait 5000 poulets à la fin d'un cycle de 45 jours. Et au bout de 45 jours, il ferait un vide sanitaire de 15 jours. Ça lui fait un cycle de 60 jours. Vous voyez? Et donc, il peut faire ça 6 fois par an. Au bout de 6 fois par an, ça fait 6 fois 5000. Ça fait 30 000 poulets. Les 30 000 poulets, il les vend au marché à 2500 francs. Ou il les vendait à un abattoir à 2500 francs par poulet. 2500 francs à 3000 francs par poulet, ça veut dire que ce petit agriculteur pourrait avoir un chiffre d'affaires de 75 millions à 90 millions, n'est-ce pas, par an. Si vous prenez 20% comme marge, ça veut dire que 20% de 75 millions, ça fait 15 millions. Si ça devient ça, sa marge, voilà quelqu'un qui n'avait rien, qui sur 500 mètres carrés peut gagner 15 millions de francs par an. Si vous faites 15 millions de francs sur 12 mois, ça lui fait pourquoi un salaire de un peu plus de 1 million 250 000 francs par mois pour quelqu'un qui ne gagne rien. Ce que je suis en train de dire, ce bâtiment, ça peut être un bâtiment qui est fait simplement avec des matériaux locaux, avec un peu de ciment sur le sol, n'est-ce pas? Et vous lui apprenez simplement les techniques d'élevage,
les techniques de gestion, n'est-ce pas, d'une ferme de volaille. Vous n'avez pas besoin de lui dire, je vous donne un tracteur, ensuite vous allez avoir une ferme, ensuite vous allez voir. Ouais, j'ai changé la vie d'un jeune homme, n'est-ce pas, peut-être avec sa copine, qui n'avait absolument pas rien à faire, mais qui, sur deux bâtiments de 500 mètres carrés, c'est-à-dire 250 mètres chacun, peut gagner 1 250 000 francs par mois. C'est simple. C'est-à-dire, j'ai apporté quelque chose. Il lui faut des poussins, il achète des poussins, il lui faut, n'est-ce pas, des aliments appropriés, des aliments pour poulet de chair, un aliment chair début, un aliment de finition, et il le fait, et il va gagner cet argent. Est-ce qu'il y a quelque chose, parce que la modernité, c'est technique, c'est comment vous faites, c'est comment vous suivez. La modernité ne veut pas dire que vous êtes parti chercher de gros engins. Et je veux vous donner un autre élément de modernité auquel vous êtes très familier, c'est le studio. Vous voyez aujourd'hui comment on peut faire une émission avec très peu. Vous êtes parti des éléments de studio où on était obligé maintenant de ramasser vos instruments dans des camions. Vous vous souvenez à l'époque où le studio se déplaçait carrément dans un camion pour faire une émission comme celle qu'on est en train de faire. Non, on n'a plus besoin de ça. En fait, on est parti de choses très compliquées, très lourdes, à des choses miniaturisées. C'est la même révolution que vous avez au niveau de l'informatique. Pendant très longtemps, dans l'informatique, c'était des systèmes très lourds. Les machines très lourdes qu'on appelait mainframe, les gros systèmes, IBM 360, n'est-ce pas, qu'on avait. Déjà, pour passer au PC, n'est-ce pas, c'était compliqué. Puisque les gens, déjà IBM qui le faisait, ne croyaient même pas qu'un jour on pourrait passer à un PC, à un ordinateur personnel. Et la grande révolution, ça a été le processeur. Les processeurs qu'on avait au début de l'informatique, quand on faisait les ordinateurs, c'était des tubes qu'on avait avant de passer aux transistors et avant de passer aujourd'hui à des systèmes de circuits intégrés. Où vous voyez que le processeur, la puissance du processeur qui est exprimée en Hertz est passée de, on disait, si vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, on annonçait la puissance du processeur, un processeur d'ordinateur, on disait 500 mégas. On disait 500 mégas. Aujourd'hui, vous êtes à quoi? À 2 gigas. Alors, cette capacité d'adaptation, cette formation dans la miniaturisation, dont vous parlez justement, oui. Vous parlez de formation pour ces jeunes Camerounais qui peuvent se lancer dans l'agriculture. Mais la question de la formation au Cameroun, le système éducatif et le souci du gouvernement de professionnaliser les enseignements, est-ce que cela répond aux exigences du monde social? Mais justement, c'est pour ça que les gens, tout le temps, la première chose, c'est qu'ils mettent l'argent devant. Au lieu de mettre la culture même qu'on est en train de répandre autour des gens. Vous avez une culture où vous êtes en train de célébrer les diplômes, et c'est comme si le diplôme est la finalité. Or, le diplôme n'est pas la finalité. Le diplôme ne peut pas être la finalité. Vous passez le temps dans vos systèmes à célébrer le diplôme comme la finalité, alors que le diplôme devait être un moyen, n'est-ce pas, pour l'émancipation de chacun. Quand vous avez un diplômé d'université qui est en chômage et vous en produisez tant dans ce pays qui est en chômage, ça veut dire que ce système... Si vous avez autant de diplômes, on a l'impression que c'est dès que les gens ont des diplômes, on les célèbre. Vous voyez comment on fait avec les normes? C'est-à-dire, on célèbre les gens, les parents célèbrent, ah, mon fils a été admis à l'ENAM, ah, ma fille a été admise à l'ENAM. Quand vous leur demandez, c'est ça pour produire quoi? Là, on ne peut plus rien vous dire. C'est comme si on achète le diplôme et on achète une sinécure pour cet enfant-là. Pourquoi je le dis? Parce que je viens de vous parler d'un jeune homme, vous pouvez me le donner, il a peut-être le niveau de BEPC, il n'a pas grand-chose. On le transforme parce que les études ne sont jamais terminées, on lui donne des aptitudes. Et ces aptitudes doivent lui permettre d'être émancipé dans la vie. C'est ce genre de formation. Est-ce que ce système d'éducation existe au Cameroun? Parce que finalement, vous êtes là en train d'utiliser les ordinateurs, en train d'utiliser le Windows. Celui qui crée le Windows, c'est Bill Gates, Microsoft, qui a laissé l'université en deuxième année. Vous comprenez? Qui lui a laissé l'université en deuxième année, à Harvard. Si aujourd'hui, quelqu'un vous dit que je laisse l'université, parce que moi, j'ai trouvé un système que je crée. Les parents vont faire un conseil de famille. On va dire que peut-être que c'est le femme-là qu'on lui a fait, elle l'a saisi et tout, on va plus rien. Mais je vous dis, Bill Gates, c'est ça. Lorsque vous utilisez l'Apple de Steve Jobs, sachez que lui aussi, c'est pareil. Lorsque vous allez maintenant à Mark Zuckerberg, que ce soit dans YouTube, dans Facebook, et que vous voyez Elon Musk qui est en train de lancer aujourd'hui des fusées SpaceX, c'est pour lancer des fusées, d'avoir des lanceurs qui pourraient être réutilisés, c'est des concepts. Mais c'est parce que ces jeunes qui innovent au Cameroun, est-ce que l'environnement leur permet de pouvoir s'épanouir? Changer donc complètement de processeur mental. Ce que notre pays change complètement de processeur mental, que vous ne soyez pas en train de célébrer des diplômes inutiles.
Parce que ça ne sert à rien de célébrer des doctorats ainsi qui sont complètement inutiles. Il faut orienter les gens vers des formations vraiment professionnelles, n'est-ce pas, où ils créent. Parce que tous ces gens que je vous ai donnés là, ce sont des gens, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas instruits, parce que pour ceux qui font, pour ceux qui créent, c'est des gens qui sont instruits. Mais c'est d'un système d'instruction, d'un système de collecte, de traitement d'informations qui devient différent. Vous ne pouvez pas dire simplement que quand quelqu'un n'a pas de diplôme, vous décrétez qu'il est fini. Pourquoi? Parce que vous avez créé un système administratif où quelqu'un est simplement payé en fonction d'un diplôme. Il est payé à ne rien produire, mais pour le classer, vous dites que ça avait des diplômes. Ce système ne nous conduira nulle part. Justement, je vous donne tous les gens qui créent la richesse dans tous les pays, que ce soit Alibaba, que ce soit les autres et tout ça. Vous allez voir en Chine aujourd'hui, quand vous voyez la mentalité chinoise, c'est également une mentalité qui est pro-entrepreneur, pro-essai, pro-expérimentation. Le Cameroun aussi a quelques entrepreneurs qui souhaitent créer la richesse. Mais vous avez suivi le JICAM, un autre mouvement patronal, ECAM, qui se plaignent de ce qu'ils ne sont pas associés et impliqués dans la conception et la mise en œuvre des politiques économiques permettant justement de créer cette richesse. Que pensez-vous de ces critiques qui sont formulées à l'encontre du gouvernement? Non, mais je crois qu'à l'occasion du 60e anniversaire du JICAM, justement, j'ai commis une tribune pour leur dire que, justement, parce que je me plaignais, je me dis, mais si c'est des mouvements, je me suis toujours posé la question, pourquoi ces chefs d'entreprise venaient me voir? Parce que j'ai fait beaucoup de séminaires au JICAM. Et nous étions d'accord qu'il fallait créer une interprofessionnelle des entreprises. Mais après, vous voyez souvent les entrepreneurs qui sont en train de se plaindre de tracasseries administratives. Mais quand il y avait un paradoxe dans le fait que celui qui paye les impôts à l'administration, à l'État, devienne la principale victime de cette administration-là. Si vous voyez le paradoxe. Pour comprendre le paradoxe, je me suis rendu compte que chacun de ces entrepreneurs, chacun de ces chefs d'entreprise, allait de manière isolée chercher son petit avantage à l'administration. Et lorsqu'il avait obtenu son avantage, n'est-ce pas, il se retirait. Et naturellement, dans ce schéma, le JICAM comme interprofessionnel, n'est-ce pas, ou interprofession, ne pouvait jamais devenir une force, n'est-ce pas, d'influence au niveau des politiques du gouvernement. Parce que cela requérait qu'ils deviennent, n'est-ce pas, un lobbying, n'est-ce pas, et que s'ils ont fait cette interprofession, c'était selon le principe que l'unité fait la force. Si l'unité fait la force, pourquoi ils allaient individuellement? C'est cette démarche individuelle qui les affaiblissait dans leur relation avec l'État. Vous comprenez? C'est pour ça que vous voyez les gens après individuellement, ils se plaignent, ou font des discours, ils se plaignent, mais la réalité, c'est que la réalité comportementale est tout à fait autre. Pourquoi vous avez créé cet espèce d'association professionnelle? Pourquoi vous avez créé cette interprofession? C'est pour que l'union fasse la force. Vous-même, quand vous êtes dans vos métiers, n'est-ce pas, les chefs de télévision, ainsi de suite, qu'est-ce qu'on fait de vous? On fait de vous que chaque chef d'entreprise de télévision, de chaîne de télévision, quand il va voir le ministre de la Communication, obtient sa petite autorisation, qui est même une espèce de tolérance, que vous appelez quoi? Vous appelez la tolérance administrative. Mais quand vous avez eu cette tolérance administrative, ça ne vous met jamais à l'abri. Au contraire, ça vous fragilise, ça vous rend vulnérable face à celui qui vous l'a donné. Justement. Alors, l'idée devrait être quoi? Que vous vous mettiez ensemble comme des chaînes de télévision pour réclamer ce qui est un droit et que vous cessiez d'aller chercher ça comme un privilège. Ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Vu ces donc, patrons, c'est un problème de comportement. Vous voyez ce que je veux dire? On a vu ces patrons d'entreprise parler d'une même voix pour critiquer ce retour du Cameroun au FMI, le Cameroun qui a conclu un programme de redressement économique avec le FMI. Christian Pendaikoka, vous êtes conseiller technique à la présidente de la République. Avez-vous participé, avez-vous autorisé, donné votre avis favorable à ce retour au FMI? Je ne peux pas donner parce que c'est là en contradiction avec ce que j'ai écrit, que quand le FMI, n'est-ce pas, félicite les ministres chargés de l'économie et des finances d'un pays, n'est-ce pas, je suis plutôt préoccupé par le développement économique de ce pays. À partir du moment où je l'ai dit, je ne peux donc pas soutenir ce genre de politique. Maintenant, j'ai d'ailleurs dit que la boussole du chef de l'État, ce n'est pas le FMI, ce sont les contribuables camerounais. Mais pour arriver au FMI, le FMI n'est pas une force d'occupation. Le FMI ne vient pas comme des militaires, comme une armée, pour vous s'occuper de vous. C'est parce que vous avez des défaillances au niveau de votre économie. Le FMI est une organisation qui avait été créée dans le cadre des institutions de Bretton Woods pour stabiliser l'économie du monde. C'est une institution qui doit venir vous voir quand vous avez des problèmes de balance des paiements. Mais vous arrivez à avoir des problèmes de balance de paiement parce que vous n'avez plus de réserves. Et vous arrivez à avoir des problèmes de réserves parce que, un, vous n'exportez pas pour avoir des réserves. Deux, vous importez tout et il vous faut des réserves pour tout importer, y compris des cure-dents.
Vous importez plus de 210 000 tonnes de poissons, alors qu'il y a 35 ans, on importait à peine 5 000 tonnes de poissons. Vous importez tout, tout et tout, n'est-ce pas? À un moment donné, on s'est mis à importer les poulets congelés, ainsi de suite. Justement, il faut qu'il y ait une cohérence. Pour que vous n'ayez pas des problèmes du genre FMI, il faut que vous structurez votre économie de manière que ce soit une économie de production et non une économie de rente et de consommation en bout de chaîne. Vous voyez ce que je veux dire? On consomme tout. On consomme nos cravates qu'on porte, on consomme nos vestes, on consomme tout. Lorsque vous consommez de cette façon, il vous faut des devises pour importer. Et lorsque vous ne supportez pas pour avoir ces devises, même au jour où vous aurez un problème de déficit de balance des paiements, vous serez obligé d'aller chercher le FMI. Voilà la réalité de cette affaire. Donc, c'est aussi, c'est pour ça que vous appelez ça des déséquilibres macroéconomiques, que ce soit au niveau des déséquilibres budgétaires, que ce soit au niveau des déficits de balance des paiements, parce que balance des paiements, il faut payer les créanciers externes. Mais vous payez les créanciers externes parce qu'ils vous ont vendu quelque chose. Vous voyez, je sais qu'une économie ne peut pas être dans l'autarcie complète, mais il vaut mieux importer des machines-outils, c'est-à-dire des machines-outils qui vous permettent de faire des produits que vous n'importerez pas, au lieu de vous mettre dans une situation de tout importer. Mais lorsque vous avez une administration qui ne le comprend pas, une administration qui devient en fait un bourreau pour les entreprises qui sont censées créer la richesse, c'est ça où ça devient le problème. Et c'est là où j'ai invité le GICAM à dire, mais attendez, mettez-vous ensemble. Vous ne pouvez pas être ceux qui payent les impôts à une administration et vous devenez les victimes de cette administration. Il y a une grande contradiction là-dedans. Et c'est comme vous, les chaînes de télévision, qui diffusez l'information, qui éduquez la population, qui informez la population, et vous vous trouvez dans une espèce de catch-22 où on vous donne des tolérances administratives alors que c'était un droit. À ce moment-là, et les hommes politiques, et nous tous, nous devrions venir à votre rescousse pour que l'État vous laisse travailler, parce que c'est un droit. Les populations, c'est un droit, ont un droit à l'information. Vous voyez, les choses sont cohérentes. Mais si vous ne les prenez pas de cette façon, vous devenez les parents pauvres d'un système où vous aviez des droits que vous continuez maintenant à obtenir comme des privilèges. Au regard de toutes ces défaillances et ces dysfonctionnements que vous venez de décrire dans la gouvernance du Cameroun, est-ce que vous allez continuer à conseiller le président de la République et conseiller le système de gouvernance publique qui est mis en œuvre depuis de nombreuses années et qui, selon vous, n'apporte pas les résultats escomptés? Je ne conseille pas un système. Le chef de l'État m'a fait le privilège de servir le Cameroun à ses côtés. Je n'ai aucune obligation de le faire. Pour le moment, je le fais parce qu'il faut le faire de cette manière, parce qu'il faut que les gens prennent conscience. Et en même temps, j'appelle les jeunes gens. Vous devez le savoir que je travaille beaucoup avec les jeunes gens pour leur faire prendre conscience que, n'est-ce pas, qu'ils ne soient pas indifférents à la politique. Parce que finalement, c'est la politique, si vous êtes indifférent à la politique va s'occuper de vous. Et je les encourage chacun à faire le métier de ses rêves, que ce soit ingénieur, médecin, journaliste, avocat, esthéticien, tout ce que vous imaginez, mais de ne pas être indifférent à la politique. Parce que c'est la politique qui définit les conditions du vivre ensemble, c'est la politique qui définit le sens de la société, c'est la politique qui vous amène à vivre aujourd'hui comme on vit, hein, comme si nous étions dans des espèces de bantoustans ethniques, vous êtes en pleine ville et les gens, leur zone de confort, c'est quand ils se replient dans leur tribu ou dans leur clan ethnique, ce qui est absolument malheureux. Ce n'est pas avec ça que vous faites l'unité nationale. Et vous êtes en pleine ville. La ville célèbre plutôt l'ouverture. C'est ce que vous voyez une ville comme Douala, c'est une ville qui était censée célébrer l'ouverture au monde, célébrer l'universel. Or, vous vivez là-dedans comme des petits clos ethniques où les gens, il n'y a plus de contact, c'est absolument dangereux. Donc, c'est vers ce genre de défis que nous, on se lance aujourd'hui avec les jeunes gens et qui sont les défis qui vont changer le Cameroun de demain, ça va de soi. Merci Christian Pendaikoka d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes conseiller technique à la présidence de la République, consultant international en matière d'économie, de développement. Vous dirigez également un cabinet international spécialisé dans l'ingénierie financière et le développement des projets. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous sur Equinox Télévision pour une autre édition des grands dossiers de l'économie.